marrant. Rends-le-moi, allez, c'est à moi. Oh, allez, s'il te plaît. Oh là là. Oh, c'est vrai que moi, j'ai plus de tétine, mais des fois, de temps en temps, vraiment, j'aime bien avoir une tétine. Alors, prête-la-moi, s'il te plaît. Allez, allez, s'il te plaît, prête-la-moi. Mais non, tu n'avais qu'à amener la tienne. Rends-la-moi. Allez, s'il te plaît, Sarah, s'il te plaît. Oh là là, tu as vu Noé? Oh, Mara et Sarah sont en train de se chamailler pour une tétine. Oh là 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 là, les chippies. Oh, et regarde Lara. Oh, c'est ma préférée, elle est trop mignonne, toujours en train de dormir. Je l'adore. Mais pourquoi tu dis que c'est ta préférée? C'est même pas intéressant, elle est toujours en train de dormir. Oh là là, moi c'est pas ma préférée du tout, hein. C'est nul un bébé. Oh là là, mais enfin Noé, comment tu peux dire que c'est nul? J'adore m'occuper des bébés, c'est trop mignon. Oh, allez, rends-le-moi, c'est ma tétine. Non, c'est ma tétine. Non, c'est ma tétine. Oh, qu'est-ce qui se passe les filles? Vous vous disputez? Non, non, maman, ce n'est pas nous. Cette fois-ci, c'est Mara et Sarah, elles se disputent pour la tétine justement. Et alors les filles, qu'est-ce qui se passe? Attention, votre maman m'a dit de vous surveiller, mais je ne veux pas de dispute, pas de chamaillerie, est-ce que c'est compris? Oh, qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Vous êtes tellement mignonnes, toutes pareilles. Oh, ne vous chamaillez pas, s'il vous plaît, vous êtes sœurs. Ah, oh, on n'est pas du tout pareilles. Non, 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 on est très, 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 très différentes. À commencer par le fait que, déjà, ma sœur Sarah, elle a un énorme nœud sur la tête. Moi, j'en ai un petit. Et puis après, comme elle veut toujours me copier, eh ben, elle a mis exactement la même robe que moi parce qu'elle veut toujours me copier. En plus, moi, je mets pas de couche et je n'ai pas de tétine parce que c'est pour les bébés, les tétines. Oui, 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 pour les bébés. Oh, c'est pour les bébés? Eh bien, pourtant, j'ai l'impression que tu essayais de lui prendre la sienne. Oh, non, non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'était juste dans le jeu. D'accord, nous allons dire ça. Bon, en tout cas, Sarah, Mara et Lara qui dort d'ailleurs, calmez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Les filles, mes filles, vont bientôt rentrer à l'école. J'ai une surprise pour elles. Oh, une surprise? Oui, une surprise. Je vous ai acheté tout ce qu'il fallait pour aller à l'école dès la rentrée, d'accord? Et d'ailleurs, j'ai même une surprise pour la fin de cet épisode. Donc, il ne va pas falloir regarder. Maman, maman, c'est trop long, s'il te plaît, montre-nous. Attends, un petit peu de patience. D'abord, j'apporte ce que je vous ai acheté pour la rentrée des classes. Attention. Attention, les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Je vous ai acheté deux nouveaux cartables. Tadam! Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour toi, Noé, j'ai pris un vert pomme jaune puisque tu aimes cette couleur en ce moment. Qu'est-ce que tu en dis, ma chérie? Oh, c'est très bien, maman. C'est très, très bien. Je l'adore. Merci. Parfait. Je suis contente. J'avais un petit peu peur de m'être trompée comme tu as un petit peu changé tes goûts de couleur. Et toi, évidemment, Noah, du rose. Oui, du rose, maman. Merci. Oui, évidemment du rose. D'ailleurs, tu as le droit de changer aussi de couleur, hein, d'accord? À l'intérieur, on va mettre les grands cahiers et devant, dans la petite poche, on mettra les petites choses que vous pouvez utiliser plus régulièrement, d'accord? Ensuite, pour aller à l'école, il vous faut écrire vos devoirs. Alors, voilà, je vous ai acheté deux agendas. Regardez, qu'est-ce que vous en dites? Wow! Oh, c'est trop beau, c'est la Reine des Neiges! Oui, c'est la Reine des Neiges. Alors, j'ai Elsa et Anna sur celui-ci, donc vous pourrez écrire vos devoirs, etc. Et sur l'autre, j'ai simplement Elsa. Donc ça, c'est fait pour les devoirs. Vous n'aurez pas d'excuse de « j'ai oublié mes devoirs », etc. Ensuite, des petits carnets pour prendre des notes. Oh, mais maman, oh là là, il est super beau! Il a un vrai nœud dans les cheveux! Ouais, tu as raison ma chérie. Cette petite fille est ravissante. Elle a un vrai nœud dans les cheveux. Oh, c'est ce qui m'a fait craquer. Et regarde ici, il y a un nœud avec des paillettes. Oh, je l'adore. Je savais que ça allait beaucoup vous plaire. Donc vous pourrez remplir, faire même des dessins, des croquis. Ce sont vos petits carnets. C'est ce que les maîtresses nous ont demandé. Alors moi, vous savez, je respecte la liste. Hein. Voilà, vous avez plein de pages libres pour dessiner, écrire, inventer. Et voici une fiche où vous allez avoir les horaires de l'école décrits dessus. Les maîtresses ne nous ont pas encore donné les nouveaux horaires, d'accord? Puisque ça a changé. Mais comme ça, on pourra inscrire dessus et on pourra toujours être à l'heure. Ensuite, elles nous ont demandé pour faire des activités manuelles, une paire de ciseaux chacune. Je vous ai pris la même, hein, d'accord les filles? Une paire de ciseaux rouges, voilà. Et alors, je ne sais pas du tout ce que vous allez faire avec ça. Enfin, si, je m'en doute un petit peu. Un mètre. Voilà, vous allez commencer à mesurer, je pense, à l'école.
un petit crayon gras chacune, un bleu et un rouge, voilà. Ensuite, ah oui, ensuite on passe à la partie peut-être que vous avez préférée. Qu'est-ce que vous aimez? Attention, plus que tout au monde, oh, je sais, voir des épisodes de Fred la Petite Fée et de Super Bébé Land. J'étais sûre que vous alliez répondre ça. Alors justement, aujourd'hui c'est une grande nouveauté puisqu'à l'école vous allez étudier avec des tablettes. Oh, génial maman! Oui, alors génial oui, mais attention, vous n'allez pas pouvoir regarder les épisodes à l'école évidemment. Ce sera simplement pour travailler et faire différents jeux pédagogiques sur les tablettes quand vous aurez fini votre travail sur les feuilles, etc. Mais je trouve que c'est une très bonne idée puisqu'il y a plein de jeux pédagogiques très intéressants pour les enfants. Ensuite, vous savez que vous avez choisi différents cursus. Toi Noah, tu as pris de la peinture et toi Noé, tu as pris dessin technique. Est-ce que tu te rappelles que tu as pris ça ma chérie? Dessin technique. Oui, 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 je me rappelle, c'est exactement ce que j'ai pris. Parfait. Alors voilà, j'ai acheté une palette de peinture pour Noah avec différentes couleurs, d'accord ma chérie? Donc tu as par exemple sur le dessus du jaune, du blanc, du beige, du marron clair et enfin du orange ou marron clair, ça dépend, et du rose, d'accord? Tu peux mettre ton nœud au milieu avec ton pinceau comme ça, tu mouilles à chaque fois les couleurs. Et en dessous, tu as d'autres déclinaisons, gris, noir, violet, bleu, prune. Voilà. Oh, merci maman. Moi, je suis trop contente, j'ai trop hâte. De rien ma chérie, avec plaisir. Oh là là, j'ai vraiment hâte de retourner à l'école, j'adore ça. Bon, tu pourras me faire de très très belles peintures comme ça. C'est promis. Super. Et toi, Manoé, je t'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire du dessin technique. Une gomme, un crayon de papier et une règle en bois. D'accord? Voilà, comme ça tu pourras aussi me faire de superbes dessins et devenir une super architecte si tu veux, d'accord? Oh merci maman, et je construirai notre future maison. Oh, tu crois ça? Peut-être oui, ça me plairait beaucoup en tout cas. Alors ensuite, voyons voir. Ah oui, pour vous faire une petite beauté les filles, comme je sais que vous courez partout dans tous les sens et que je ne veux pas que vous ayez les cheveux dans les yeux, je vous ai acheté un peigne chacune, d'accord? Comme ça, même si vous êtes décoiffée, vous vous repeignez un petit peu et vous n'avez pas les cheveux dans les yeux pour travailler. C'est très important de ne pas être gênée pendant votre travail. Donc le rose pour Noah et le jaune pour Noé. Ensuite, les maîtresses nous ont dit que vous aviez le droit d'apporter chacune un objet qui vous est cher, un objet que vous aimez particulièrement, d'accord? Alors du coup, Noah, j'ai pensé que tu pourrais prendre ton appareil photo, tu sais celui que tu as eu à ton anniversaire ma chérie. Oh oui maman, comme ça je pourrais prendre mes copines en photo si leurs parents sont d'accord et les maîtresses et ramener plein de souvenirs de l'école, faire un journal de l'école aussi. Oui, et pour toi Noé, j'ai pris tes cartes de magie. Qu'est-ce que tu en penses madame la magicienne? Alors, tu vas pouvoir faire des tours de magie à toutes tes copines, regarde. Bon, le joker en premier, et voilà, l'as de pique, toutes tes cartes de pique, le cœur, le trèfle et le carreau. Bon, notre petite magicienne, prête pour les tours de magie aux copines? Hein? Oh, oui maman, oui, je vais même faire des tours de magie aux maîtresses. Je vais trop m'amuser. Bon, allez, je le mets dans ton cartable. Voilà. Les maîtresses nous ont prévenu qu'elles allaient faire deux concours. Le premier, un concours de gomme et l'autre, un concours de taille crayon. Alors, je vous ai acheté des gommes vraiment très rigolotes. Regardez, regardez, regardez. Alors, il y en a 5, ok? 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Je pourrais vous donner une petite licorne, une rose et une violette pour mes princesses. Et pour les 3 autres princesses, les triplées, on pourrait leur donner les arcs-en-ciel. Qu'est-ce qu'elles en pensent, hein les filles? Oh oui, 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 j'adore les arcs-en-ciel, maman de Noé et Noé. Oh oui, je veux bien les arcs-en-ciel. Oui, 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 merci beaucoup, c'est trop gentil. Tiens, 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 ma belle, voilà. Mara, Sarah, bon, et Lara, je le garde puisqu'elle est en train de dormir. Ensuite, le concours des tailles crayons. Oh, je ne sais pas quelle taille crayon donner. Je les adore tous. Oh là 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 là. J'en ai acheté 5. D'accord? Comme ça, il y en a un chacune. Et il y en a aussi pour les autres. Oh, merci beaucoup, maman de Noé, Noé. C'est très gentil. On est tellement gâtés avec vous. Oh, de rien, ma princesse. Avec plaisir. Oh là là. Mais attention, hein, je ne veux pas vous voir vous chamailler. Vous en avez un chacune, mais vous voulez partager, d'accord? Oh oui, oui, oui. Très bien, parfait. Alors regardez, regardez, je les adore tellement que je ne sais même pas lequel choisir. Ouh là 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 là.
Le premier. Et le voici. Tadam! Alors, c'est belle, de la bête, de la bête. Regardez, quand tu tournes, tu peux tailler ton crayon. Je l'adore. Tu as les différentes princesses. Cendrillon, la belle au bois dormant. Oh, et belle de la belle et la bête. Il suffit d'insérer le crayon comme ça. Et tu tournes pour le tailler. C'est beaucoup plus stable sur une table. Hein. Oh, je l'adore. Je crois que j'aurais dû en acheter un pour moi. Oh, et l'autre, c'est un micro. Oh, je l'adore, maman, le micro. Je pourrais chanter tant. Non, tu ne pourras pas chanter en classe, Noah. Pas du tout. Et voilà, on met le crayon. Et c'est taillé, c'est parfait. Ensuite, il y en a un des jaquettes. Voilà. Oh oui, j'adore. Je sais que tu adores. Alors voilà, on a celui-ci avec tous les personnages. Hop, le crayon dans le taille-crayon. Et on tourne, on tourne, on tourne. Un crayon tout pointu, tout parfait pour dessiner, colorier, etc. Oui, oui, oui. Oh, vous avez vu celui-ci? C'est le N de Noah ou de Noé. Alors, qui le veut celui-ci? Je le veux, je le veux, je le veux. Très bien, Noé, prends-le ma chérie. Voilà, et le dernier. Oh, un planisphère. Vous avez vu ce globe? Il est magnifique. C'est toute la carte du monde entier de notre belle planète bleue qu'on doit protéger. Oh, je l'adore aussi celui-ci. Attention, hein. Alors, celui-là, je pense que je vais peut-être le garder pour moi parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je suis très attachée à la planète que je protège tous les jours. Je fais attention. Alors voilà, je vais garder celui-ci pour moi. Voilà. Vous êtes contente, les filles? Oh oui, maman! Hep, 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 les copains! Avant de partir, attendez! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Super Bébéland! Il faut appuyer là-haut, là, sur la petite trace de pied! D'accord? Trop facile et super gratuit! Oh oui, oui! Et attendez! Si vous voulez voir un autre épisode, appuyez sur celui que tu de ma tête! Il est génial! À bientôt, les copains de Super Bébéland!